Bonjour les amis de Bègle et d'ailleurs, vous allez bien? Est-ce que vous reconnaissez ce magnifique endroit? Regardez, regardez, regardez si je fais le tour. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, il y a des gens qui se cachent. Ah, et puis là, il y a notre ami Brice avec tous ses jeux. Eh ben oui, les jeux de société, la fameuse ludothèque de l'Esteil. Alors, bon, bah, réouverture de la ludothèque, n'est-ce pas Brice? Bien sûr, sur les horaires habituels, vous pouvez venir dès cette semaine. On vous accueille du mardi au samedi matin. Eh oui. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, venir jouer sur place avec tous nos jeux et éventuellement les emprunter si ça vous intéresse. Super. Et j'ai vu qu'il y avait des petits horaires, même aussi le mardi matin pour les Tout tranches petit, d'âge. exactement, mardi matin spécifique pour les 0-3 ans. Et après, en tout public, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à midi. Yes! Bon, on retrouvera ça, je mettrai ça là-haut, au-dessus. Et puis, bien sûr, il se passe quelque chose le 1er octobre du côté de Maurice Thorez. Exactement, nous allons bloquer une rue à la circulation et nous vous invitons à venir participer à la rue aux enfants. C'est un label national. Et donc, du coup, nous organisons notre deuxième édition là où il va y avoir des jeux et jouets pour tous directement dans la rue. Donc, c'est l'allée Jean Ferrat au milieu de la cité Maurice Thorez. Et donc, du coup, il y en aura vraiment pour tous les âges, pour les petits comme la Joujoutèque géante, concept que vous connaissez bien, ou alors même des escape games pour les plus grands, ateliers musicaux, quiz musicaux, etc. Avec tout un tas de partenaires que l'on connaît bien, Remue Méninges, Larsen, et bien d'autres que vous connaissez également. Voilà. Génial. 14h, 21h. Hein? Exactement. Donc, bon, bah voilà, hein, vous savez quoi faire. Le 1er octobre, vous allez du côté de notre chère résidence Maurice Thorez. Allez, Allez, à à samedi. bientôt. Ciao, ciao.